Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 19 juillet 2020. Bon dimanche à tous, 5h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Dans ces moments extraordinaires qu'on traverse ensemble, où ça va très mal et où ça va aller de plus en plus mal, préparez-vous. Le pire est encore à venir. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités sismiques dans les derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de vous faire le rapport de ça parce que j'étais assez occupé au restaurant. J'ai recommencé à travailler. Là, je suis sur un horaire de six jours. Ben, ça ne me dérange pas, ça fait 4 mois que je suis en vacances. On va aller voir ça. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques de haut niveau. Hein. Chili, le 17 juillet, 5,9 à Inquique. On voit ça ici. Je ne sais pas s'il y a eu des, euh, des problèmes, euh, des dommages qui ont été causés, mais quand même 5,9, hein, on est dans des chiffres assez. Euh, impressionnant. En Indonésie, on en a eu un au large de 5.4. À Samoa aussi, toujours dans l'Asie, euh, 6.1. Le 18 juillet, le 17 juillet, on est aux îles Salomon de 5.8. Le 17 juillet, toujours euh, dans. Euh, maintenant, on est dans l'océan Indien, 5.7, 5.3, 6.1. 7 en Papouanie, en Papouasie, pardon, Nouvelle-Guinée, et on voit l'activité sismique euh, puissante être vraiment, vraiment euh, presque quotidienne. Ça, c'est des signes inquiétants. Quand on voit l'activité sismique, on sait qu'il y a toujours, toujours des, euh, des tremblements de terre à tous les jours, mais l'inquiétude, c'est quand, depuis des années, on est dans des modèles où à tous les jours, il y a plusieurs. Plusieurs tremblements de terre qui sont de magnitude 3.5, 4 et vraiment et plus. On en a eu un aussi qui nous a été rapporté par Alicia, que je salue il y a deux jours euh, dans le nord de l'Algérie, 4.5. Le nord de l'Algérie a été sécoué par un tremblement de terre de magnitude 4.5 le 17 juillet. Dans la matinée, indique le Centre sismologique Euro-Méditerranée. Euh, des secousses ont été enregistrées à 25 km à l'ouest de la ville de Constantine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un risque de tsunami. On nous annonçait ça il y a quelques jours. Ça, ça a été il y a deux jours. Je ne pense pas qu'il y a eu de tsunami, mais on avait un risque quand même qui avait été émis, un séisme de 6.9. Hein. C'est produit à l'est de la Papouasie, comme on, on l'a vu il y a quelques instants sur la carte, entraînant l'émission par les autorités locales d'un avis d'alerte au risque de tsunami vraiment euh, la puissante euh, ça nous vient de Ouest-France hein? L'observation, l'observatoire plutôt le fameux USGS a précisé que le sisme s'était produit à 1050 à une profondeur quand même de 85 km au large le centre d'alerte au tsunami du Pacifique a mis en garde des populations vivant dans les régions côtières dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre faisant état d'un risque de vagues Dangereuse. Donc, Papouanie, Papouasie, Nouvelle-Guinée et euh, au Chili, on en a eu un aussi. On l'a vu sur la, la carte tout à l'heure. Je veux juste revenir sur ce tremblement de terre-là, 5,9, qui semble avoir euh, vraiment tout près des côtes, sinon sur euh, la terre ferme. Donc, vendredi, euh, 5,9, profondeur de 73 km. On aurait senti le tremblement de terre. Il y a de, beaucoup de témoignages euh, à cet effet-là. Hein. On aurait senti plusieurs, plusieurs, plusieurs témoignages de résidents. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'activités sismiques. 6.2 dans les îles Tonga aussi, on était au large. Donc, le, la séquence de tremblements de terre majeurs se poursuit jour après jour. Beaucoup, 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 beaucoup d'activités. Ce que ça représente, c'est certain qu'il y a des changements majeurs qui, se, euh, qui sont en train de s'opérer hein, au niveau des plaques tectoniques, au niveau de... aussi euh, l'augmentation la, des rayons cosmiques galactiques qui nous provient hein, de, de l'espace, avec l'affaiblissement de la magnétosphère. L'affaiblissement du soleil en grand minimum solaire, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques importantes en espérant toujours que ça, ça reste comme ça, avec des bilans euh, quand même euh, très peu euh, de dégâts et surtout pas de victimes. C'est ce qu'on souhaite. Parce qu'il y a déjà assez d'hécatombes comme ça, mais on sait que c'est pas sous notre contrôle. Et qu'on souhaite que le pire arrive pas de ce côté-là, mais préparez-vous au pire, parce que le pire est à venir.